Bonjour, ici Alex Wagner, le fondateur de l'école de séduction Morning Kiss. Prince nous a quittés et je voulais lui rendre hommage à ma façon, c'est-à-dire en revenant sur son parcours de séducteur qui franchement n'a rien à envier à son parcours musical. Parce que Prince était un véritable petit prince avec son 1m57 et pour autant il a entretenu des relations avec parmi les plus belles femmes et les plus belles, les plus désirables femmes au monde, j'ai nommé Kim Basinger, Madonna, la playmate Carmen Electra, entre autres actrices et mannequins. Et pourtant, le conditionnement voudrait nous faire croire que si on est de petite taille et qu'on est un homme, eh ben on ne peut pas séduire. Avant de m'approfondir dans les raisons de son succès avec les femmes, je vais faire une petite parenthèse de psychologie avec le biais de confirmation. C'est une tendance humaine qu'on a tous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a formulé une hypothèse, on a tendance à chercher des cas qui vont confirmer cette hypothèse et à ignorer délibérément des cas qui vont infirmer cette hypothèse. Ben moi, ce que je vais vous encourager à faire pendant cette courte vidéo et par la suite aussi si c'est possible, c'est à inverser cela et chercher à falsifier les hypothèses qu'on peut avoir. Parce que c'est ça la démarche scientifique. On va commencer par Kim Basinger, qui a entretenu une relation avec Prince, et aussi avec Richard Gere, et aussi avec Alec Baldwin, qui sont typiquement ce qu'on appelle des beaux mecs, typiques du style hollywoodien, et qui sont aussi riches. Est-ce que ça veut dire peut-être que le physique aurait moins d'influence qu'on pourrait le penser, puisque Kim Basinger a aussi eu une relation avec Prince, peut-être. Madonna a eu des relations avec des acteurs, des mannequins, des sportifs. On peut citer le cas assez amusant de sa relation avec Dennis Rodman, le basketteur américain qui fait 2m01. Rien à voir avec donc le 1m57 de Prince. Alors peut-être que vous allez me rétorquer que tout ça c'est par rapport à l'argent, que Dennis Rodman, le basketteur, et Prince sont fortunés. Oui, mais Madonna, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'argent? Et qui plus est, si elle était motivée par l'argent, ne croyez-vous pas que Madonna a suffisamment le choix pour qu'elle puisse trouver un homme qui soit à la fois riche et qui soit pas dans les extrêmes de taille, ni 1m57, ni 2m01? Citons aussi sa relation récente avec Brahim Zaïba, le danseur français. Brahim n'est pas exactement fortuné, donc peut-être que l'argent a moins d'influence qu'on pouvait le penser, que le conditionnement social nous pouvait nous faire croire. Revenons à Prince. Prince, manifestement, faisait preuve de confiance et d'assurance parce qu'il montait sur scène et il pratiquait son art en s'exposant aux autres. C'est presque la définition du charisme, de s'exposer sincèrement, en prenant le risque de ne pas être aimé. Parce que Prince ne cherchait pas à plaire. Et là, on touche du doigt un paradoxe en séduction, c'est que chercher à plaire fait fuir. Prince faisait ce qu'il voulait, il pratiquait son art, et il ne cherchait certainement pas à plaire. Et c'est pour ça qu'il a plu, paradoxalement. Pour la plupart, il y a des exceptions, mais pour la plupart, les femmes ont tendance à être attirées par le charme d'un homme. Et le charme, c'est quoi ce mot mystérieux? C'est un ensemble d'attitudes et de comportements qui s'apprennent. Si vous voulez en savoir plus sur quelles attitudes et quels comportements charment les femmes, je vous invite à regarder cette autre vidéo dont je vous affiche le lien, « Comment séduire quand on n'est pas beau ». Et si ces analyses de séduction vous intéressent, eh ben abonnez-vous à la chaîne parce que je vous propose des caméras cachées, des analyses de séduction, des conseils, des interviews d'experts, des analyses d'échanges SMS et plus, et j'en passe. Postez votre avis en dessous, partageons, qu'est-ce que vous pensez, décryptez-vous à votre tour la séduction de Prince, qu'en pensez-vous? Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire d'apprendre à séduire, de trouver votre compagne et de vivre heureux.